étoiles, épisode 5, retrouvailles. Allez, Andromède, continue à avancer. Percé ! Et voilà. Andromède, tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Je vais bien, mieux maintenant que je t'ai retrouvée. Et mes parents ? Tu les as vus ? Non, mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'on les retrouvera. Dans quel pétrin les dieux nous ont-ils encore mis ? Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Tu sais qu'ils ne peuvent pas t'entendre. Oui, mais ça m'aide à me dire que je ne leur fais pas de mal. Ils ont tous l'air si vulnérables dans cet environnement qu'ils ne connaissent pas. Je comprends. Andromède a l'air si forte et vulnérable en même temps. Après tout ce qu'elle a parcouru et dont Percé l'a sauvée. Oui. C'est presque cruel de lui faire subir de nouvelles épreuves. Mais je suis certaine qu'elle s'en sortira. Surtout maintenant qu'elle l'a retrouvée. Viens, allons chercher tes parents. Ils sont forcément quelque part par là. Je sais, mais imagine si on ne part pas dans la bonne direction. On aura beau chercher, jamais on ne les retrouvera. Écoute, j'en suis convaincu. Il faut qu'on aille dans cette direction, je le sens au fond de moi. Tu n'as pas cette sensation aussi ? Si, mais je ne peux pas m'empêcher de douter. Andromède, c'est toi ? Maman ? Vous nous avez trouvés ! Andromède, les dieux se louaient, tu es vivante ! Oh Andromède, toutes ces étoiles te rendent encore plus belle que d'habitude. Ils sont si émouvants. Oui, je suis contente qu'ils se soient retrouvés. Et en parlant de retrouvailles, Callisto a elle aussi retrouvé sa fille. Ça faisait chaud au cœur à voir. Maman ! C'est toi ? Arcas ? Oui, c'est moi. Viens par là, mon amour. Tu vas bien ? Oui, mais on est où ? C'est quoi ce couteau qui est cailleux ? Ne t'inquiète pas, mon trésor, tout va bien. Maintenant que je suis là, tu ne risques plus rien. Et le plus drôle, c'est qu'après, Draco est venu les voir. Et même s'il peut être intimidant, il a un très grand cœur. Je ne voudrais pas vous importuner, mais c'est de moi dont vous parlez. Dis quoi ça, maman ? N'aie pas peur. Je m'appelle Draco. Et comme vous, je suis perdu dans ce monde. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Callisto. Et ma fille, c'est Arcas. Enchantée. Enchantée. Je sais, je fais peur au premier abord. Mais je ne suis qu'un protecteur, rien de plus. Je n'ai jamais tué personne. Et jamais cela ne me viendrait à l'esprit de m'attaquer à quelqu'un que je ne connais pas. Tu es vraiment surprenant. On me le dit souvent. Puis-je me joindre à vous dans cette aventure ? Je pourrais vous accompagner dans votre quête, vous protéger des dangers, et vous m'éviteriez la solitude dans ce monde inconnu. Bien sûr, avec plaisir. Profitons-en pour faire plus ample connaissance. Qu'est-ce que tu protégeais avant d'atterrir ici ? Enfin bref, voilà les nouvelles de ce petit groupe nouvellement formé. Je commence à comprendre tes motivations pour faire cette expérience, maintenant qu'il y a des rencontres. Oui, ils sont passionnants. Je pourrais passer ma vie ici. Allez, regardez, vous. À demain pour... Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.